Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Exa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, un nouveau petit Poké tuto, donc on va parler des apparitions des légendaires sur Pokémon Rosa. Donc comme vous le savez, il y a énormément de légendaires qu'on peut avoir sur Pokémon Rosa. Mais j'ai regardé un peu sur les forums de jeux Pokémon, que ce soit Showdown ou autre. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait pour les avoir. Donc voilà, je me suis un peu renseigné donc sur des sites, que ce soit anglais ou français, enfin un peu tout quoi. Et donc je vais essayer de vous faire un petit tuto que ça soit le plus clair possible sur les apparitions donc de ces légendaires. Donc on va commencer tout de suite donc avec les oiseaux légendaires, donc Ho-Oh et Lugia. Donc tout d'abord il vous faudra les deux versions. Enfin, si vous voulez faire la suite simplement parce que Ho-Oh est accessible donc que dans Ruby Omega et Lugia dans Saphir Alpha. Donc qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc il vous faudra donc pour Ho-Oh donc posséder le Glaclair, qui est tout simplement en fait un objet, et Lugia, donc je pense un objet rare, et Lugia donc il faudra posséder donc le Gla Tempête. Donc une fois que vous avez ces objets, donc vous pouvez vous rendre donc pour Ho-Oh au pont du Lavandiacy et pour Lugia à la salle des machines du Lavandiacy. Donc ça nécessite plongée pour ceux qui ne le savent pas, donc emmener plongée, voilà, c'est mieux. Donc ils sont tous les deux donc niveau 50 avec donc aucun objet pour Lugia et la cendre sacrée hein, pour Ho-Oh bien évidemment. Ils ont le talent pression, mais bon, c'est pas très très important. Au niveau des attaques, je vais y revenir vite fait parce que c'est quand même un petit peu important. Donc pour Ho-Oh, donc il aura Zénith, Déflagration, Feu Sacré, Punition. Et pour Lugia, il aura Dance Speed, Rocanon, Aéroblast et Punition. Voilà, donc une fois que vous avez ces deux Pokémon, donc vous pouvez vous attaquer à la suite. La suite, c'est tout simplement, donc vous les mettez dans votre équipe. Il faut les avoir dans votre équipe, donc Ho-Oh et Lugia. Pour donc avoir Raikou, Entei et Suicune. Donc il faudra donc avoir, donc comme je vous ai dit, donc Ho-Oh et Lugia dans votre équipe, et il faudra aller à la forêt sans trace. Donc la forêt sans trace donc se trouve en fait dans une en fait c'est une zone proche de Merouville. Cette forêt donc en fait elle contient un anneau contenant un des trois chiens. Et en gros, dès que vous l'avez capturé un des trois chiens, vous le mettez dans votre PC ou autre, et en gros vous y retournez, enfin voilà, vous pouvez avoir tous les chiens comme ça. Mais voilà, il faut avoir Lugia et Ho-Oh dans votre équipe, donc soit vous achetez les deux versions, soit vous sur le GTS, vous voulez changer avec un pote histoire de l'avoir, etc. Au niveau des attaques, bon, rien de spécial, ils sont niveau 50, ils ont pression. Donc Raikou a étincelle, reflet, machou, creux, éclair. Entei a lance-flamme, écrasement, vantardise, croc-feu. Et Suicune a onde boréale, brume, voile miroir et croc-givre. Voilà, rien d'exceptionnel. Mais c'est quand même pas trop mal, moi j'aimerais bien les avoir. Donc je verrai à faire un petit peu de troc avec, avec mes potes. Bref. Donc ensuite donc pour Créelf, Créfollet et Créfadev, donc il faut aller donc près donc en volant avec Mega Latios ou Latios, ça dépendra de votre version. Donc il faut voler près d'Atalanopolis, un nom très long, bref. Vous pouvez donc il vous faut donc tout d'abord un de vos Pokémon donc qui a le bonheur au maximum. En gros, qui vous surkiffe quoi. Vous allez là-bas et vous allez donc dans la caverne sans nom. Et donc au bout, vous verrez, je sais pas exactement où c'est, mais en gros, il y a un anneau. Donc il sera apparu si vous avez un Pokémon avec son bonheur max. Normalement, si vous avez fait l'aventure, enfin, un de vos Pokémon vous aime au maximum quoi, je pense. Donc du coup, vous rentrez dedans et donc vous tomberez sur Créf, Créfollet et Créfadet. Donc tous les 6 heures, donc le Pokémon donc changera. En gros, si vous tombez sur Créf, ben, et vous le capturez, maintenant 6 heures, il y aura Créfollet et ensuite Créfadet, etc., etc. Donc ils sont au niveau 50. Avec l'évitation, ils tiennent aucun objet. Donc, alors, là ça va être très drôle. Créelf, donc à bâillement, extrasenseur, amnésie, préscience. Créfollet à Hervénard. Préscience, extrasenseur, charme et Créfadet à Brouhaha. Préscience, extrasenseur, machination. Voilà, donc une fois que vous avez donc ces trois Pokémon, vous pouvez ensuite vous attaquer à la capture de Diaga et Palkia. Donc il faut savoir, donc c'est encore une fois donc des versions réservées comme pour les oiseaux légendaires. Donc Diaga ça sera dans Saphir Alpha et Palkia dans Ruby Omega.
Donc, qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc, il vous faudra avoir Kryelf, Kryfolek, Kryfadem, donc dans votre équipe. Et donc, il faudra aller à la faille aérienne au sud, de Myokara, donc dans Saphir Alpha, donc pour avoir Dialga, et pour avoir Palkia, donc c'est au même endroit, donc en gros c'est dans les airs, d'après ce que j'ai compris, en gros vous volez avec votre Tio sous la Tia, ça dépendra de votre version, c'est simple en fait, c'est la Tia si vous voulez Dialga, et la Tio si c'est pas le cas, et donc vous allez vous voler, vous verrez une espèce de grande faille spatio-temporelle, donc c'est au sud de Myokara, donc pour ceux qui n'auraient pas entendu, donc voilà, donc vous pourrez tomber sur ces Pokémon, donc c'est en niveau 50, qui n'ont aucun objet, le talent on sait pas, je pense que c'est leurs talents originaux, hein. Et donc Dialga a Aura Sphère, Queue de Fer, Hurletant, Luminocanon, et Palkia a Telluniforce, Aura Sphère, Spatio Rift et Hydrocanon. Voilà, une fois que vous avez donc ces deux Pokémon, si vous les mettez dans votre équipe, vous pourrez donc au même endroit trouver une autre faille, la faille spatio-temporelle encore, et vous pourrez trouver Giratina, donc il faut que vous les ayez donc tous les deux dans votre équipe, donc pareil, faites du truc avec vos amis ou alors achetez les deux versions, ça dépendra. Donc vous tomberez sur Giratina qui est niveau 50, qui a le talent pression, qui ne tient aucun objet. Au niveau des attaques, donc il a Aura Sphère, Griffe Ombre, Revenant et Châtiment. Voilà, donc c'est très simple, faut juste avoir Dialga et Palkia dans votre équipe. Voilà, c'est tout simple. Ok, donc maintenant on va parler de Eatran. Donc Eatran donc est dans la grotte des Zénith, donc vous croiserez Adrienne donc qui est à la recherche donc de ce Pokémon. Si vous allez tout au fond en fait de la grotte, vous trouverez un anneau et dedans il y aura Eatran, donc niveau 50. Donc il n'y a pas de condition d'apparition, c'est normal, vous y allez et puis voilà quoi. Comme attaque, il a Stridoson, Machul, Grimace et Bulilab, voilà, il a aucun objet, il a comme talent torche. Bref, rien de super impressionnant, voilà, c'est tout. Ok, donc maintenant on va parler donc de Cresselia. Donc Cresselia c'est un petit peu particulier, donc d'après ce que j'ai compris, donc je vais vous le dire tout simplement. Donc il faut en gros vous balader dans les airs, donc avec votre Mega Latios Latias, ça dépendra. Et en gros, au sud, donc d'Eternara, il y aura une île qui va apparaître des fois. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Et en gros, dessus, donc vous trouverez un anneau, donc pareil, où il y a Cresselia. Donc c'est l'île de l'arc. Donc c'est au sud d'Eternara. Donc voilà, il faut avoir, faut attendre, je pense, hein, faire des allers-retours jusqu'à que l'île apparaisse. Voilà, donc bon, je me suis pas énormément renseigné parce que c'est un peu chelou, un peu comme ils expliquaient, mais bon, c'est pas bien grave. Comme talent, il aura Lévitation au niveau 50 et il aura donc comme attaque Brume, Prescience, Onde Boréale et Tranche. Voilà. Maintenant, on va passer à Fulguris, Boreas et Demeteros, donc simplement. Alors, on va d'abord parler de Fulguris et Boreas. Donc, Fulguris c'est que dans Saphir Alpha et Boreas dans Ruby Omega. Donc, il faut avoir donc votre le Morpheo qui a été donné pendant l'aventure donc dans votre équipe. Et si vous volez au-dessus d'ON, donc vous allez trouver un nuage d'électricité au-dessus de Symmetronel, oui. Et donc, il faut rentrer dedans, donc sur Saphir Alpha, donc ça sera Fulguris, et sur Ruby Omega, Boreas, donc il sera au niveau 50, avec le talent farceur, aucun objet. Donc n'oubliez pas, donc il faut avoir le Morpheo hein, dans sa team, bien évidemment. Donc, comme attaque, donc Fulguris a anti-soin, hâte, coup de jus et machouille. Et pour Boreas, il aura extra-senseur, hâte, lame d'air et machouille, voilà. Ensuite, donc pour avoir des Météoros, il vous faudra tout simplement Fulguris et Bogaras et Boreas dans votre équipe. Et donc, il suffit en fait d'avoir juste les deux génies dans votre équipe et le nuage donc au-dessus de Symmetronel, donc il sera encore. Et donc, si vous rentrez dedans, voilà, vous tomberez sur Demeteros niveau 50 avec Force Sable comme attaque extra-ascenseur dans Slam Éboulement, Telluniforce. Voilà, c'est assez simple. Encore une fois, il vous faut les deux versions ou alors les échanger. Bref, maintenant on va passer à Reshiram et Zekrom, donc la réalité et l'idéal. Donc, pour ces Pokémon, c'est très simple. Il faut avoir un Pokémon de niveau 100 dans son équipe.
Voilà, donc vous avez un Pokémon de niveau 100, vous le mettez dans votre équipe et vous vous rendez à la cave légendaire. Donc pour Reshiram, donc ça sera donc sur Ruby Omega, et Zekrom, ça sera sur Saphir Alpha. Voilà, donc comme talent, Reshiram a Turbo Brasier et Terra Voltage pour Zekrom. Donc voilà, donc retenez bien un Pokémon niveau 100 donc dans votre équipe, et rendez-vous à la cave légendaire qui est au sud-ouest de Lavandia. Donc c'est dans les airs, hein, encore une fois. La cave, enfin vous verrez bien quoi. Et donc il y a un anneau pareil donc qui vous conduit à ces deux Pokémon. Donc je vais y revenir donc vite fait. Donc Reshiram, donc Draco Souffle Tranche, Extra Ascenseur Flamme Croix, excuse-moi. Et Zekrom, donc Draco Souffle Tranche, Psycho Boule, Éclair Croix. Voilà. Donc maintenant, donc on va passer au Pokémon Frontière, donc Kyurem. Kyurem, donc c'est très simple, il vous faudra donc, comme vous l'aurez deviné, avoir donc Reshiram et Zekrom dans votre équipe et aller à l'antre Noeux. Voilà. Donc il sera au niveau 50 avec pression, et il aura donc Draco Souffle Tranche, Grimace et Glaciation. Voilà. Maintenant on va passer à Viridium, Terrakium, Cobaltium, les trois mousquetaires. Donc c'est très simple, pour cela donc il vous faut un Pokémon donc qui a ses EV au maximum. Donc ses EV au maximum, c'est très simple, vous avez donc sur l'écran du bas quelque chose pour ceux qui ne savent pas. Donc pour monter les EV, donc vous faites monter sa barre. Je crois que c'est PSS, oui c'est ça. Vous le faites monter au maximum et en gros vous allez donc à la plaine sans nom, donc qui se trouve donc vers Pacifiville. Et c'est un peu autour, vous verrez, il y aura la plaine sans chemin. Donc un portail se trouve au bout. Donc en gros vous allez au bout et vous tomberez donc sur un portail donc où il y a pareil donc Terrakium, Viridium et Cobaltium. Donc toutes les 24 heures ça se changera en gros. Voilà, tout simplement. Donc Cobaltium aura vengeance dans Slame, tête de fer, lame sainte. Terrakium aura vengeance dans Slame, éboulement, lame sainte. Viridium aura vengeance dans Slame, giga sensuelle, lame sainte. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo donc vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a aidé, tout simplement. J'espère donc que ça vous a aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà, donc on se retrouve tout simplement très bientôt pour les prochains tutos et d'autres vidéos bien évidemment. A plus tout le monde.